Pas de véritable tendance sur les bourses européennes aujourd'hui. Les marchés sont stables suite à la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed hier soir. La Fed a indiqué qu'elle pourrait remonter les taux directeurs. L'attention des investisseurs se porte maintenant sur la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans l'ouest des États-Unis. La réunion s'ouvre ce soir. Les représentants des grandes banques centrales vont notamment débattre des tensions commerciales qui secouent l'économie mondiale en ce moment. Allez, on regarde les marchés européens d'un peu plus près maintenant. À la clôture de Paris, le Stoxx 600 perdait 0,08% à 384 points. À Londres, le FTSE perdait 0,09% à 7568 points. À Francfort, le DAX perdait 0,03% à 12382 points. Et de son côté, le CAC 40 lui gagnait 0,10% à 5426 points. On continue avec le CAC 40 justement, pour ce qui est des plus fortes hausses sur l'indice. À la clôture, nous avions Safran, plus 1,02% à 109,05€ et Technip FMC, plus 0,78% à 26€. Pour ce qui est des plus fortes baisses, là en revanche, nous avions Peugeot qui perdait 1,81% à 23,83€ et Renault qui lui perdait 1,73% à 71,62€. Et puis on termine avec le marché des changes. À la clôture de Paris, 1 euro valait 1,1567 $, tandis qu'un dollar lui s'échangeait pour 111,16 yens. À la bourse de New York, c'était Marie-Jean Tric pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.